La réalité, c'est que des autorités américaines ont alisé des autobus pour envoyer des migrants, dont, pour des raisons qui leur appartiennent, les Américains ne voulaient pas les envoyer au Québec. Avec un beau dépliant qui expliquait qu'il fallait aller au Canada, au Québec, parce que le Roxham s'amène au Québec, avec même des agents américains qui se faisaient un petit sideline en vendant, et ces criminels, des passages vers tout près de la frontière canadienne, le tout inclus, s'adresse aux Américains, vous dites, écoutez, ici, ce n'est pas un tout inclus. Sauf que dans les faits, pensons-y un peu. Ces gens-là arrivent au Québec, qui est sans équivoque la société d'accueil la plus généreuse en Amérique et qui le fait au point de mettre sa propre langue en péril. Système de santé, déjà sous pression. Système d'éducation, déjà sous pression. Crise du logement, mais il faut quand même, bien sûr, loger tout ce beau monde.